Good morgen, Aleiden et Sussra aujourd'hui, les Nishmat, Chaya Esther Bat Miriam, à ce que l'on fait, le Vesra Nishmat Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Rosalena, et Bin Bin Ben Chviba Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, qu'on est la 5e minute éternelle, nous étudions aujourd'hui ma Sechet Ovin, Père Guimel, Mishnah Chet. Vot Amar Rabbi Yehuda, Matne Adam à la Kalkala, Biyom Tov Rishon Ve Ochla Bashani, Vechen Beitza Shinolda Beir Barishon, Teachel Bashani, Velo Odulo Chachamim. On va voir maintenant deux Mishnayot tête et tête, on va sortir du sujet des Rouvines, on va plutôt parler en rapport avec l'histoire de Rosh Hashanah qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, Mishnah Zayin, où on avait vu que Rosh Hashanah était, il y avait une discussion en fait, est-ce que Rosh Hashanah est considéré comme un seul grand jour de 48 heures, ou bien comme deux jours, et dans ce cas-là si c'est considéré comme deux jours, alors on sait qu'il y en a un qui est réellement le vrai jour de fête, tandis que l'autre, on le célèbre en jour de fête juste par rapport à une crainte que les gens vont négliger à l'avenir le jour de Rosh Hashanah. Comme ce qu'on avait expliqué. D'accord? Parce qu'en fait, je rappelle vite fait, le vrai jour de Rosh Hashanah, c'est le. Il y a un seul jour, Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est le Rosh Chodesh qui ronce en même temps Rosh Hashanah aussi. C'est lorsqu'on a on démarre la journée du 30 Elul et on attend, est-ce qu'il va y avoir des témoins qui vont venir ou pas? Si des témoins viennent, alors ce jour-là, il est fixé comme Rosh Hashanah. On continue, on fait vite les korbanot au Beit HaMikdash, on sonne le chauffard chacun chez soi. Ceux qui veulent mettre le kitel, ils pourront le mettre aussi. Et puis, on mange les simanim si ça vous dit aussi. Et on finit la journée, c'est fini Rosh Hashanah. Ça dure un seul jour. Si toutefois les témoins ne sont pas venus dans la première journée, alors on conclut que cette journée, elle n'était pas kadosh. C'est un jour de fête. Vite fait, allumez le feu, fumez-vous une cigarette si vous voulez, ou je ne sais pas. Parce que c'est encore rôle. Et puis, la nuit tombe après, puis après on rentre réellement dans Rosh Hashanah. Il n'y en a qu'un seul des deux. Seulement, si on se permettait de faire ça, alors à la longue, les gens ils vont se dire « Oh, vos histoires avec les témoins qui vont venir, qui ne vont pas venir. » Si à 1h, 2h de l'après-midi, les témoins ne sont pas venus, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir. Bon, les gens vont se mettre à négliger et à transgresser. Et finalement, peut-être que les témoins ils vont venir à 3h de l'après-midi. Et bien, c'est vrai que tout le monde va transgresser le jour de Rosh Hashanah. Du coup, Rami, on dit « Quoi qu'il arrive, on fait le premier jour et le deuxième jour. » Du coup, on avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, en fait, qui en fait Rabbi aussi, comme ça s'expliquait dans le Mortanoura, qu'il y avait une marloquette. Est-ce que malgré tout, on peut sauver le bénéfice du doute, c'est-à-dire considérer ces deux jours-là, en fait, comme deux jours distincts, où il y en a un qui est réellement le vrai jour et l'autre qui n'est pas le vrai jour. Et du coup, alors, dans la mission précédente, on parlait qu'on va faire un Hérouv pour le premier jour et un autre Hérouv pour le deuxième jour, comme ce qu'on a expliqué, puis maintenant, on va découvrir encore deux autres conséquences à cette même discussion. Veodama Rabbi Yehuda. Et encore, il a dit aussi Rabbi Yehuda, selon le même principe. Matne Adam à la Kalkala. Un homme peut poser la condition sur un panier. Kalkala, c'est un panier, c'est un panier. Be Yom Tov Rishon. Le premier jour de Yom Tov. Ve Ochla Bashani. Et il la mangera le deuxième jour. Et j'explique, c'est pas compliqué. À Shabbat, on n'a pas le droit de. Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever des fruits. D'accord? Prélever. Effectivement, vous savez, quand on reçoit une récolte sur les fruits d'Israël, il faut prélever la Trouma, Maaser Rishon, Troumat Maaser, Maaser Sheni, il faut prélever. À Shabbat et à Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever parce qu'on est en train de réparer les aliments. D'accord? Maintenant, il vient, sur ça, vient Rabbi Yonah et me dit, mais tu sais, pour les deux jours de Rosh Hashanah, alors si tu as des fruits que tu as oublié de prélever le premier jour, tu pourras dire, tu sais, je prélève, je prends cette pomme pour qu'elle soit la Trouma, et cette pomme-là pour que ce soit le Maaser Rishon, et celle-là pour le Maaser Sheni. Si aujourd'hui c'est pas Yom Tov, alors je les prélève. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, je dis rien du tout. J'ai rien fait. Et il attend le lendemain, et il redit la même formule, améliorée en disant, si aujourd'hui c'est Yom Tov, donc il s'avère que mes fruits sont de toute façon déjà prélevés depuis hier, puisqu'hier c'est un jour de Chol. Et si aujourd'hui c'est un jour de Chol, parce qu'en réalité hier c'était Yom Tov, donc j'ai rien fait aujourd'hui, eh bien maintenant je prélève que cette même pomme-là que j'ai désignée hier, finalement je la désigne aujourd'hui en tant que Trouma, et ces pommes-là ce seront les Maaser et les autres Maaser Sheni. D'accord? C'est ça qui pose la condition. Il va jouer en disant ben, de deux choses. Une, soit on est jour de fête, soit on est jour profane. Le lendemain, par conséquence, ce sera inversement l'inverse. Soit on est un jour profane, soit on est un jour de fête, et quoi qu'il arrive, entre le premier et le deuxième jour, il aura sauvé un jour profane pour prélever ses fruits. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui le propose.
Même principe encore avec Bechen Beitza Shenolda Barishon, Teachel Bacheni. Un œuf qui est né le premier jour, il pourrait être consommé le deuxième jour. C'est une notion un peu complexe à l'expliquer tout de suite. C'est longuement étudié dans Beitza, Beitza, Maseret Beitza qui parle de Yom Tov. On commence avec cette histoire-là de Beitza Shenolda Yom Tov. Un œuf qui est né à Yom Tov, il a un interdit d'être consommé ce jour-là. D'accord, c'est toute une xéra à cause du Yom Tov qui va tomber après le Shabbat, parce qu'il faut préparer. Ça fait trop lourd à expliquer comme ça. Il y a un problème de manger cet œuf, d'accord? C'est quand même un peu un problème de moukté, c'est un peu la même idée. Et maintenant, par contre, on a le droit de manger un œuf le dimanche, même s'il a été toujours un œuf qui est pondu aujourd'hui, c'est qu'il a été préparé dans le ventre de la poule la veille, d'accord? Maintenant, pendant Yom Tov, il y a un problème de manger l'œuf. Le lendemain, il n'y a plus de problème. Sur ça, Rabbi Yehuda vient et me dit, bah, tu fais le même jeu. Tu dis, on est au premier jour de Rosh Hashanah, tu dis, bah, si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, bah, l'œuf, je n'ai pas le droit de le manger. Mais dans ce cas-là, demain, ce ne sera plus Rosh Hashanah, je pourrai le manger. Et si le lendemain, c'est Rosh Hashanah, ce sera réellement Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jour profane, donc je pourrai le manger. Donc, Vechen Beitza Shenolda Yom Tov, un œuf qui est né au premier jour de Yom Tov, eh bien, Teachel Bacheni, tu pourras le manger le deuxième jour de Yom Tov. Et pour toutes ces deux halakhot là, Velo Hodulo Chachamim, Chachamim n'ont pas été d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que Chachamim ont fait un décret que, vous vous rappelez, comme je vous ai dit, l'histoire de peur que les gens à la longue ils vont négliger le jour de Rosh Hashanah lorsque les témoins vont commencer à venir au fil des années. Du coup, Chachamim ont dit, quoi qu'il arrive, même si les témoins ne viennent pas, le premier jour c'est quand même un jour de fête. Et donc, du coup, un jour de fête qui dure pendant 48 heures. Mais un seul jour de fête de 48 heures. Et du coup, Chachamim alors on dit, ben, tu ne pourras pas, dans le doute, te dire que peut-être que tu pourras l'être parce que tu es dans la même journée de 48 heures, et tu ne pourras pas non plus manger l'œuf en te disant de deux choses l'une, parce que tu es dans la même journée de Yom Tov qui dure 48 heures. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.